Bienvenue à tous et à toutes, excusez-moi, beaucoup de vent. Non, je rigole, c'est dans mon casque. Bienvenue pour la dernière porte, The Last Door. Un petit jeu d'horreur en point and click, tout en pixels. Alors, c'est assez curieux comme mélange. Bon, la petite option, je vais cliquer, je vais jouer normalement. Ça fait un moment que j'en ai entendu parler, alors on va commencer. Après toutes les choses que j'ai vues. Ah, alors attendez, est-ce que je peux me déplacer? Non, c'est un point and click. D'accord. Oh! Le son HD et les pixels un peu bas de gamme quand même. Enfin, c'est exprès, mais ça me choque un peu, moi. Alors, attendez, j'ai vu une main. Qu'est-ce que c'est? Une corde, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Une chaise. Avec une corde. La phrase que je vous ai dit avant. Ouais, après toutes les choses que j'ai faites. Ma vie est sur un chemin, une course que je ne dont je ne peux m'échapper. Ouais, ça commence bien. La musique est somptueuse. Ça fait toujours regretter quand c'est de cette qualité-là que les graphismes soient encore en pixel un peu. Trop tard pour moi maintenant. J'ai pas le choix, hein, j'ai que ça à faire. Hein. Je ne peux qu'espérer que vous pourrez me pardonner un jour. Très sincèrement, oui, votre très cher Anthony Beechworth. C'est pas forcément le traitement 2D, mais là il est vraiment trop. Oh, la dernière porte quoi. Il est un peu trop pixelisé quand même là, c'est dommage. Oh, la musique est magnifique, je l'ai déjà dit, je le redis. Très important pour un jeu en général, mais pour un jeu d'horreur particulièrement, mais là. Un petit jeu alors peut-être espagnol, peut-être portugais, peut-être sud-américain parce que ouais, des noms un petit peu comme ça à consonance latine. Bravo monsieur Carlos pour votre musique. En la bouche d'un français de mon âge, Carlos la musique, papa Youth. Ah, je n'ai pas dit, je n'ai pas gâché le jeu pour l'instant. Cessez ceci. Petit corbeau. Alors je ne sais pas vraiment où ça se passe. Made in Spain. Jeu espagnol donc. Karma Crassi, je ne connais pas. Ah, ils sont sur Kickstarter. D'accord. Alors, le premier chapitre est gratuit du jeu. Oh. Petit frisson, ce petit violon à la fin. Donc oui, le premier chapitre est gratuit, donc allez essayer. Hein. Je pense que les autres, je sais pas s'ils sont payants ou est-ce qu'il faut pas débloquer, je sais pas comment ça marche. Octobre 1891. Videte nequisiat du latin, je comprends pas. C'est la chose. Seule chose que mon cher vieil ami Anthony Beechworth, qui vient de se pendre, m'a écrit dans sa lettre. Ça fait plusieurs années depuis que j'ai entendu cette phrase. C'était son leitmotiv. Non, c'était le leitmotiv de notre groupe de science et de philosophie. That we secretly ran back. Que nous sommes réfugiés, nous étions dans cette école ennuyeuse en Scotland. Nous avons tout laissé derrière nous, comme de simples souvenirs d'enfance. Mais c'était inhabituel, cette lettre pouvait seulement dire que quelque chose d'horrible était arrivé. Je suis au courant. Something, quelque chose qui doit rester absolument secret. Je dois trouver ce qui s'était passé. Donc ça doit rester secret, mais je vais quand même aller voir ce qui se passe. Sans délai, j'ai pris le premier train du matin pour le Sussex. Sussex. Non, j'ai Paris. Pas vrai, j'ai pas 12 ans, suffit. Et elle était toujours ici, la vieille maison de la famille d'Anthony, la Beechworth Mansion, la maison de Beechworth, manoir de Beechworth. Je vous ai dit que la musique était magnifique, je ne sais pas. Chapitre 1, la lettre. Oui, alors la lettre, c'est aussi le nom du premier chapitre de Lumber Island. Hein. Oh, attention, pas se tromper de doigt. Ah, je peux peut-être aller voir là, tiens, avant de rentrer dans les maisons. Peux-tu aller plus vite? Oui, ça va être ennuyeux si tu ne vas pas plus vite que ça. L'écran est petit, mais. Oh, merde. Ah, c'est des. Ah, vous voyez là, c'est trop pixelé. Je croyais que c'était une plante qui faisait jaillir du sang. Moi. En fait, c'est des corbeaux qui picorent quelque chose. Un meurtre de corbeau. A murder of crows. Ça se dit ça, un meurtre de corbeau? Pour dire une bande de corbeaux. Elle mange quelque chose. Bon, je ne peux pas plus faire grand chose que ça. Rubiche, je ne sais pas, est-ce que je peux rentrer ici? Fermé de l'intérieur, bon. Je peux pas a priori interagir. Hein. Lens. C'est quoi Lens? Ah d'accord, ok. Non, bon, je sais pas.
C'est bizarre, tout est silencieux comme si personne ne vivait ici. Je suis inquiet à propos d'Anthony, je dois le trouver. Pas envie d'aller au grenier. Oh, je suis qui là? Ah, j'ai enlevé mon manteau, ok. Sympa. Pendule. La pendule du grand-père, c'est le seul son ici. Portrait d'Anthony, il a l'air plus vieux que je ne le pensais. Ça fait plusieurs années qu'il ne l'a pas vu, a priori. Note sur la table. Cher monsieur Beechworth, dû aux récents événements, la situation est devenue impossible à supporter pour nous, et nous avons le regret que nous avons d'autre choix de partir. Nous restons. Nous vous remercions pour toutes ces années à votre service. Dieu vous bénisse, monsieur et madame Brewer, qui doivent être les domestiques, je pense. Allez, on monte. Oh. Porte. Fermée. Ah non, c'est trop sombre, je ne peux pas aller plus loin. Ah, je peux. Petite avance rapide quand j'ai déjà été. Quand je viens d'un endroit en fait. D'accord. Très bien d'y avoir pensé. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des petits jumpscares, des petites scènes comme ça qui vont pop-up à certains moments? Alors, tête de caribou. Un gramophone. Il a l'air vieux. Ouais, un cabinet d'alcool avec des verres. Bouteille en cristal et une boîte d'allumettes. Ouais, j'allais prendre des allumettes. Ouais, seules ces allumettes peuvent être utiles. Pas possible de se bourrer la gueule. Une cheminée, comme si elle n'avait pas nettoyée, elle n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. Est-ce que je peux y mettre le feu? Peut-être pas encore. Si je peux, d'accord, bah je vais le faire. Ah, je n'ai pas besoin, d'accord. Bon, bah, écoute. Cette fenêtre, cette grande fenêtre, grande ouverte, laissant entrer l'air frais. Est-ce que je peux la fermer? Non, je ne peux pas. Bien, cette porte mène-t-elle? Ah bah c'est bien, je peux entrer. Ah d'accord, faut que je reclique pour rentrer. Peinture de paysage. Y a plein de langues disponibles, mais pas le français, c'est quand même dommage. J'y ai cru, hein. La cuisine. Kitchen store. Ok, donc les ustensiles de cuisine. Les plats et les casseroles. Ok. Une assiette avec des restes. Ok, les ingrédients de cuisine. J'ai déverrouillé la porte. Ah, c'est la porte de derrière, c'est ça? Est-ce que je peux leur foutre le feu? Non, je ne peux pas. D'accord. Je retire ce que j'ai dit. C'est vrai que le pixel art n'est pas mon favori, ça. Peinture qui n'est pas d'aplomb. Qui est penchée. Oh. Je crois que j'ai déverrouillé quelque chose quelque part. Je ne sais pas ce que c'est. Petit trou dans le mur. Un petit lavabo, hein. Toiletries. Lampe, ça pourrait être utile. Oui, bah je vais la prendre alors. Ah, ça va peut-être me servir à allumer la lampe. Yes, je vais pouvoir aller fouiner. Rien d'intéressant dans ces placards. Un bol vide. Ah non, ça ressemble à une gamelle pour nourrir les animaux. C'est pas ce que je croyais du tout. Vous aussi, vous avez cru. Note 5 mars 91. Le maître nous a fait nous débarrasser d'objets religieux. Qu'est-ce qui lui prend? Heureusement, j'ai trouvé une place pour cacher mon rosaire. Je ne peux pas prier chaque nuit sans lui. 18 mai. Le maître se plaint à propos d'Alfie. Qu'est-ce qu'un chat peut bien lui faire? Il nous a ordonné de le garder en dehors de la maison tout le temps. Cependant, je ne peux pas laisser cette pauvre chose mourir de faim. C'est un chat tellement intelligent. À chaque fois que j'ouvre la fenêtre, il sait que la nourriture l'attend. Peu importe, je suis inquiet à propos du maître. Il devient de moins en moins lui-même chaque jour. Monsieur Beechworth passe son temps enfermé dans son bureau. Il nous demande de laisser de la nourriture à sa porte, mais il ne mange quasiment rien. Je suis très inquiète. Ou inquiet, je dis inquiète, mais. Alors, est-ce qu'il faudrait pas. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre, ouais, pour faire venir le chat? Mino. La fenêtre ne reste pas ouverte, comme si le bois était abîmé. J'ai besoin d'une corde pour le garder ouvert. Pas la corde que je crois qu'il va prendre, quand même. Oh. Ok, petite plante. Bon, avant de retourner à l'étage. Où
je vais pouvoir progresser grâce à la lumière, c'est très intéressant. Je sais pas si je vais peut-être faire plusieurs épisodes du coup, parce que c'est assez long mine de rien, hein. Peut-être. C'est intéressant, c'est vrai que j'en ai pas fait vraiment beaucoup des... Attends. Ah non, c'est de là que je viens, voilà. Ouais, moi et le repération. Le repérationnisme. Allez. Allons-y. Le personnage avance plus lentement de lui-même, hein, j'ai l'impression. Les planches de bois ont été clouées dans cette ouverture de porte. Un lit double couvert de poussière, comme si personne n'avait dormi dedans depuis des jours. La cheminée n'a pas été utilisée depuis longtemps. Un gentleman avec un... regard sérieux et inquisiteur, je dis inquisitive, ça veut rien dire ça. Cette fenêtre mène à un balcon qui communique avec la room, la pièce adjacente. Portrait de famille. Bon, on y va là. Je pense que la porte doit être fermée de l'autre côté. On ne peut pas l'ouvrir, c'est coincé. Est-ce que je pourrais le forcer avec un petit outil? Un petit outil, mais je n'ai pas de petit outil. Ah, une clé en or. En argent. Pff, traduction française, mes amis. Quand silver devient or. Bon, il faut un petit outil, donc je pense pas que la clé va me servir. D'accord. C'est pas ça. Merde. Porte que je pouvais pas ouvrir en bas. Ah, je peux essayer de les enlever. Ah non. J'essaye, hein. Ah, je viens de cliquer en dehors de la fenêtre de jeu. Ça coupe tout. C'est très intéressant jusqu'à maintenant. Ça me plaît bien. Attendez. Et celle-là aussi qui était pas ouverte. Ça ne s'ouvrira pas, mais est-ce que... Non, vraiment. C'est... Ok. Alors, attendez. On va retrouver cette porte. Ça, c'est bien la téléportation quand vous avez déjà visité la pièce. Et... c'est un tout petit peu en somme quoi. Non, c'est bien, je suis bête. Voilà, c'est là. Hop, hop. Wesh, progressons. Si on retournait en arrière, dis donc. Comme quoi, l'environnement sonore est très important. Carnival de Venise, Slate Record. D'accord, je sais pas ce que c'est qu'un Slate Record. Un vinyle, un truc pour le phonogramme peut-être. Phonographe. Qui est en train de faire caca? Du feu de bois. Pour l'instant... ah oui, ça je le veux, l'iron crowbar. Voilà. Petite pied de biche. Je vais m'en servir pour les planches de bois, je pense. Le poêle, enfin le four n'a pas été utilisé depuis longtemps. Boilers. Le ciment est toujours frais dans ce mur. Ah, allons le péter donc. Avec une crowbar, ça va suffire. Non, ça ne suffira pas. Bon, bah ça sent les allers-retours quand même. Hein. C'est un petit peu la base du point and click. Hein. Mais ça me dérange pas. Là, on a le mode de téléportation rapide quand on a déjà fait le voyage une fois. Donc, c'est le minimum syndical. Hein. Certains jeux ne l'ont pas. Je ne vais pas me plaindre. Alors, la crowbar. Allons péter les petites planches en haut. J'ai aussi déverrouillé ça. Je sais pas à quoi ça sert. Je vais le laisser. Je peux qu'on peut le remettre, mais. Oh! Ah oui, je pouvais chercher longtemps, d'accord. Un vieux rosaire avec un solide crucifix en bois. Est-ce que ce serait ça l'outil? Paraît pas logique, non. Je ne suis pas toujours très logique moi-même. Hein. Non, et à chaque fois je retourne dans cette cuisine, quoi. Attendez, je vais essayer. Ah, j'ai peut-être pas bien mis. Voilà. Il y a un enregistrement sur le gramophone. Pas effrayant du tout ça. Trois petits points. C'est pas du tout effrayant. Je suis pas peur en tout cas. Ah, c'est horrible. Suppos de Satan. Va vers rétro. Satanas et Diabolo. Excellente vision. La musique s'est arrêtée subitement.
c'est le chat. Fuck you.